Puis, vers 2 à 17. Frère,
Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec
se vai cuidar. Se eles abrirem para cair, está determinado de ceder. Se ele depende de confiança da mamãe dos outros, exige de confiança de si também pronto. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à vous prix, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il aillera l'un et aimera l'autre. Ou bien il s'attachera à l'un et dépliera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand c'est ton problème, tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, vous êtes ceux qui se font passer pour juste aux yeux des gens, mais Dieu connaît le cœur. En effet, ce qui est précieux pour les gens est toujours abordable aux yeux de Dieu. Et je le dis, en cette église paroissiale,
Nous nous fêtons 4 ans de grâce, 4 ans de bénédiction. Ce que j'ai développement à dire se résume dans cette phrase, à savoir progresser dans l'obéissance de la foi. Progresser dans l'obéissance de la foi. Et cela, je le tire de la première étude où Saint Paul se réjouit d'être envoyé aux nations païennes. Et quand il présente le Christ à révéler comme le mystère, ce mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, amener toutes les nations à l'obéissance de la foi. Nous ne sommes pas des étrangers à la foi. Nous sommes chrétiens, baptisés, membres de la grande famille de Dieu. Voilà pourquoi nous avons à progresser dans l'obéissance de la foi. Et puis arriver, ce que Jésus nous dit dans l'évangile, est de grand secours pour chacun de nous. Quand le Seigneur nous enseigne que celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans le grand, et celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans le grand. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent de la terre, qui vous confiera le véritable? Pour les dix, essentiellement, le Seigneur vous confie de lui un trésor. Un trésor à côté de lui. Pour faire grandir l'apostolat plein d'espérance. Et le pas que vous faites de lui n'est pas insignifiant. Futile, temporaire. Mettez-vous à l'esprit. Comme Dieu fait alliance avec vous, que vous faites alliance avec lui pour toujours. C'est vrai, il y a le processus à suivre, la route à suivre. Mais déjà, dans vos cœurs, plus que dans votre tête, sachez que vous êtes là déjà, engagé pour toujours avec le Seigneur. Et que la confiance que vous faites en ce jour, jour de bénédiction, jour de grâce, cette confiance-là, vous devez la mériter et en vivre de façon ouverte, par un moyen de vie franc, sincère, dans la fidélité au principe de votre groupe, de la fidélité à l'enseignement du Christ. C'est en cela que vous allez grandir. Et pour cela, chacun a son rôle à jouer. Et chacun va jouer pleinement son rôle, comme cela se voit, en mettant chacun à sa place Dieu en premier. Jésus continue en disant, aucun serviteur ne peut servir du miracle. En matière d'argent, ici, comprenons tout ce qui peut corrompre votre engagement. Et avec Dieu, comprenez tout ce qui peut nourrir, entretenir, faire porter beaucoup de fruits à votre engagement. Et quand je prends le côté de l'argent à ne pas servir, ne pas se féoder à l'argent, cela ne passe pas la lutte contre ce monde qui sort avec ses mirages. Ce monde prête
impacté la vie spirituelle. Ce monde prêt à offrir cette humanité qui entraîne dans le corps. Et cela a commencé par l'orgueil. L'orgueil. La grâce que Dieu donne, l'engagement que vous faites déjà en esprit et que tout à l'heure vous allez mettre en acte, cet engagement est appelé à être vécu en toute humilité. En se sachant reçu du Seigneur. Et pour cela, l'orgueil qui est l'autre nom de Satan n'a pas droit d'exister en nous. Le battu aussi, les places demeurent suivant ma position. J'ai commencé à apprendre l'humilité, l'effacement. J'aime pour être en première ligne, mais je dois être effacé. Travailler en toute sérénité, mais dans l'effacement. Sans montrer que c'est moi qui suis là. Je dois agir. J'aime pour être le premier. Le responsable en premier lieu. J'ai besoin de partir du bureau exécutif. En toute lieu, je m'arrache. Pour ne pas donner franc au malin. Pour ne pas m'auto-célébrer. Pour ne pas prendre la place de Dieu et pouvoir saigner finement ce désordre que Dieu a mis en place. Pour que l'apostolat, femme d'espérance, puisse progresser, grandir. Et là encore, cela nous permettra d'évoluer dans l'obéissance de la foi en Jésus-Christ, le Dieu Sauveur. Cela nous dit, nous acceptons d'être des oubliés. Parce que le Christ, c'est cela. Je m'engage à être oublié du Christ dans son champ. Et le monde. Pour que ceux-là qui le connaissent, le connaissent davantage, et ceux-là qui l'ignorent, pour le chemin d'aller à l'église. Chacun de vous a son travail à faire. Et aujourd'hui, pour vous l'église, cette Eucharistie que le Seigneur vous donne toutes les garanties. Amen. Se trouve toutes les bénédictions que vous avez besoin pour fleurir, pour donner le meilleur de vous-même. Cette Eucharistie vous en donne plus que le grâce, la grâce, la bénédiction, tout ce qui vous faut. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? C'est très important. Ce n'est pas encore la messe. Que vous aurez ce qu'il vous faut pour vivre pleinement l'engagement physique temporaire que vous faites à l'instant. Ce ne sont pas des conseils que vous ne donnez pas après. Tout est là ici, à cette église. Toutes les grâces. Et ça commence. Et ça va progresser. Dans chacune des voies, vous allez venir tout à l'heure. Mais Dieu sera présent. Et comme tel, nous avons un bon soin de ce que Dieu nous donne. Et au-delà de ce que Dieu nous a dit, avec les autres membres du groupe, nous avons accueilli une famille, la famille de Dieu. Et après créer cette ambiance heureuse que je tire de la première du de ce jour.
ce n'est pas à l'avenir. Vous voyez, c'est peut-être pour certains, ça ne peut pas ridicule. Je dis même, on nous parle de la parole de Dieu, Dieu qui nous parle, et voilà ce qui se passe. C'est Paul, voyez ici, Paul Romain, savez moi, Christa et Axas, mes compagnons, savez Marie, savez les églises, les compagnons, savez les pénètes, savez Amon, Nikos et Junias. Voyez, oui, mais salut tout ce monde-là. On peut dire, est-ce là la parole de Dieu? Qu'est-ce que cela nous apporte? Mes amis, cela nous apporte beaucoup. C'est une salutation qui cache quelque chose de très important derrière. Si Saint Paul a eu l'essence, voyez, la grâce, la facilité, la sérénité, jusqu'à écrire, saluer le roi, telle personne, c'est pour la fille qu'ils ont vécu ensemble. Ouais, la joie d'être ensemble et de porter le regard de votre passion. Et une fois, éloigné l'un de l'autre, les uns des autres, mais c'est pour l'écrire. Saluez-moi, Prisca et Aquilas, qui étaient mes compagnons, et ils ont failli donner leur vie pour moi. Ils ont failli perdre leur vie à cause de moi. Salut de ma part, Prisca et Aquilas, mes compagnons de travail ont décidé, eux qui ont enregistré la tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas d'ailleurs seul à la tête de l'opération. Toutes les églises de l'action le sont aussi. Voyez, mon cher Pierre, qui fut le premier acteur au Christ dans la première partie, salut Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Salut Amon, Nikos et Junias, qui sont de la parole, et fut mes compagnons de captivité, qui sont allés en prison avec moi. Salut les papas. C'est intéressant, c'est ça. Et c'est pour nous faire jusqu'à ce que ceux-là qui sont avec lui, citoyens romains comme lui, et testifs, moi aussi, avoir la joie de dire de lui-même que même moi, à qui cette lettre a été dictée, j'ai écrit. Je vous salue dans le Seigneur. Gaïe, je vous salue. Lui qui me donne l'hospitalité à moi et à toute l'église. Et Master, le prisonnier de la vie, le prisonnier de la vie, et le frère, quoi tous, vous salue. C'est ça. Je dis bien que ceci-là cache quelque chose. Et si les gens ne font pas attention, on va s'arrêter à ce qui est entendu. Bon, c'est ça. Est-ce que les ennemis de ta vie sont graves? Répondez-moi. Est-ce que les hypocrites, après tout ce que c'est là, et que je salue? Voilà. Nous sommes dans une mission du Seigneur. Vous êtes dans le même apostolat du Seigneur. Et vous avez à vivre une vie familiale, avec les vertus familiales, s'accepter les uns les autres, être solidaire, venir en aide aux autres. Quelque chose que cela va. Ne pas mettre les bâtons dans les mains de qui que ce soit. Se savoir instrument docile entre les mains du Seigneur pour sa gloire. Et pour que cette flamme, votre apostolat, puisse continuer à prier à partir de la flamme,
tout le reste du pays qui passe par la France à le mettre à terre. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que c'est bon? Voilà pourquoi Al-Wazir va être persécuté par le nom de Christ. Pour dire qu'en son temps, pourquoi Brunel ne vient pas à Arisset? Je te salue, et salue-moi, Marie-Garée, salue-moi, Marie-Garée, l'Église, parce que nous avons été ensemble. Nous sommes restés dans le même groupe, nous avons travaillé, nous sommes allés en mission, nous avons conspiré. Pourquoi ne pas dire, en son temps, Fabien nous a aidés, parce que, dans ce groupe, merveille, nous avons fait merveille. En nous donnant sa maison, à nous souvent, le bienfait du Seigneur dans sa vie. Et lui est allé à la terre. Et les belles gens à la nous ont bénis, nous ont menés, nous ont donné une vie facile à mener. Pourquoi ne pas dire l'envers est aussi de la famille? Et que notre vie a prié le mot du Seigneur. Est-ce que c'est impossible ça? Est-ce que c'est impossible? Voilà ce que je dis, la première que j'ai trouvée. Et pour cela, il nous donne de progresser dans l'obéissance de la foi, de l'une foi en Jésus. Le païen ne peut pas avoir ça. L'homme qui refuse Dieu ne peut pas avoir ça. C'est ton vie qui nous envoie là. Et c'est pareil pour les autres. Si je connaissais chacun de vous là, ça va être fait. Tous. Que chacun se sente interpellé. Même cela ne serait pas ici-bas. Oui, Saint Paul, avec les siens, Christa, Aquilas, Maria, Épinel, tout ça. Oui, mais ce qui sera le plus important, c'est quoi? Qu'après notre sérénité, nous retrouvions le ciel à la gloire du Seigneur. C'est ça. C'est ça la récompense. C'est la récompense. Quand nous serons conspirés, mouillés le maillot, voilà. Je vois bien, je ne vais pas maillot, mais elle voit pratiquement à équiper la différence entre les autres. Quand nous serons conspirés, avec cet habillement-là, nous avons la récompense au ciel. Ce serait pour vous. Je ne sais pas si la parole pour nous donner Dieu soit là. Comme ce serait pour vous, là, pour vous, que nous serions là aussi. Quand sur cette terre, nous aurons transpiré, nous aurons aidé, nous aurons donné le meilleur, nous aurons été fidèles. Parce que cela, on compte et on comptera à l'engagement, à la suite du Christ. Le Seigneur nous dira, serviteur pour moi, entrez. À la foi dans le verre. Qu'il en soit ainsi pour chacun de chacun. Le Seigneur soit avec nous. C'est là que j'appelle affectueusement nos frères, nos sœurs, nos aînés, qui sont bien dans la foi du Seigneur et qui intercèdent dans notre faveur. Que, avec Dieu et avec nous, ils nous viennent à l'aise. Thank you.
accepter vous librement, avec désintéressement et en toute conscience, cette charge. Promettez-vous de rester fidèle à l'Église catholique, à ses enseignements, ainsi qu'à vos engagements pastoraux. Promettez-vous de garder allumée la flamme de Christ et de donner le goût de la conversion aux personnes vers lesquelles vous êtes envoyés. Promettez-vous de vous mettre au service de vos frères et sœurs, de promouvoir des actions qui permettront à tous de rencontrer Dieu avec vous. Pourrez-vous, à travers l'apostolat flamme d'espérance, vous engager davantage et résolument à la suite du Christ? Promettez-vous de vous rendre disponible et de participer activement aux activités et actions de l'AFE. Vous engagez-vous à respecter et obéir à votre hiérarchie ainsi qu'au statut de règlement intérieur et code de discipline qui régissent l'AFE. À présent, récitez votre acte d'engagement.
Thank you.
paix de notre Église. Sanctifie cette offrande, Seigneur, dans le Dieu. Heureux de célébrer ce matin, nous te le présentons. Qu'elle nous aide toujours à marcher des droits à travers les épreuves et les joies de cette vie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et le nom de Dieu. Et tous les prêtres et les diacres.
ce n'est pas aussi nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la libération. Ce n'est pas en particulier de toutes les âmes consacrées des défunts, des arrières de saint de tous les défunts de l'apostolat, frères et sœurs, des parents défunts, des membres de l'apostolat, frères et sœurs. Et ce mémoire de la miséricorde pour les défunts, accueillerait de la lumière de ton visage. Sur tous en main, nous implorons ta bonté. Nous te rendons grâce en l'honneur du Saint-Esprit et de la Vierge Marie pour les bienfaits aussi de toi dans la vie de tous les membres de l'apostolat par l'excellence. Et pour le bon développement, la nouvelle entrée pastorale 2024. Donc, nous rendons grâce et nous honorons toute la cour céleste pour le dévouement de la situation d'une entreprise. Nous te bénissons pour les nouveaux membres engagés de la pastorale d'espérance. Brunel, Albien, Oronadie, Marie-Galé, Piou, Alicette, Lacré, et puis Pâques, Bonjour, Vitesse, Termonina, Précieux, Galbet, Fabien, Accordéon, Merveille, Passion, Émile, Valadé, et Norbert, Oudane, accompagné tout au long de leur vie terrestre. Bénis de l'apostolat, dans le progresser quand on a remis la prêche. La faveur de bénir tous les membres de la vie. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec le Saint-Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au nom des âges, nous allons voir à la vie éternelle et que le champion de ta louange et ta gloire. Par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père, tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Nous donnons les tous les croix. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Et dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
Thank you.
Le Père de la gloire,
je vais nommer le frère Henri Mofunatu, qui avait été passé de la Côte d'Ivoire pour nous soutenir. César, merci à la chorale qui nous a aidés en ce jour. Nous disons également merci à notre maman qui nous a toujours soutenus et accompagnés. Et pour finir, nous disons un grand et sincère merci à tous nos pères de la Constitution de la France, du modèle du modèle à l'impression, passant par le deuxième match chez nous et le collègue et le bien tout le collègue de la Gé. Ceci ne cesse chaque jour de leur vie, nous accompagner et nous inviter de leur grande conscience et morale. Merci à tous et à chacun, en son rang et qualité, et que Dieu vous garde à son amour. Je vous remercie. À chacun des membres de l'apostolat Flamme d'Espérance, à chacun des fidèles ici présents, et pour tous ceux-là qui, malgré la distance, sont tenus de par la prière à la célébration de cette Eucharistie aux cinq jeunes hommes et cinq jeunes filles, on peut leur engagement temporaire. Je voudrais vous saluer, une fois encore, vous féliciter pour la part d'elle que vous avez prise, pour que ce jour soit une réalité dans la vie de nos frères et sœurs. Je salue le fondateur et ses collaborateurs de l'apostolat Flamme d'Espérance. Et au nom de notre Père évêque, Son Excellence, Monseigneur Alexis Gonzalo, je vous dis félicitations et courage. Le Seigneur vous dira davantage. D'où il a tout. Allez plus loin. Allez plus loin. Qu'il vous donne la grâce de le réaliser pleinement dans votre vie. Je salue tous ceux-là qui sont venus de près comme de loin. Le berger qui nous a aidés en cette Eucharistie. Et tous ceux-là qui ont travaillé dans l'ombre pour que ce jour soit aussi réalisé pour chacun de nous. Je salue avec grande affection mon compagnon de père qui m'a servi. Je prie le Seigneur de le bénir. Je salue avec une grande joie la chorale qu'elle a, qui nous a aidé à prier. Je n'oublie pas notre chef curé qui était prospère dans le port et son vicaire qui était Yvon Kersou. Et tout cela qui sont ici présents. Je m'en voudrais de ne pas mentionner nos photographes et caméramans, que le Seigneur les bénisse dans les yeux, parce qu'il faut garder les archives. Merci pour le travail que vous accomplissez. Merci pour votre discrétion. Vous êtes là, agissant, mais discret. Merci pour ce témoignage de foi. Et donc, merci à tous. Et je voudrais que, avant la consécration à la Vierge Marie, nous prenions en cœur ce chant. Veuillez bien vous lever. Ce chant qui exprime le choix que le Seigneur a fait de nous. Un choix libre, mais responsable. Trouvez bien dans ce chant un procès pour aller aussi loin que possible.
dans le pas que vous avez fait aujourd'hui, surtout pour vos indices, et trouver aussi en ce champ, vous tous rassemblez la paix que Dieu nous lance à travers la mission qu'il confie à chacun de nous. Eh bien, Seigneur, accueille ce champ-là et bénis-nous. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci d'avoir mis ma main sur moi. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Thank you.
Dans la paix,